monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog et ça y est, on entame les vlogmas. Voilà, donc comme promis, on va filmer tous les jours, donc du 1er jusqu'au 25. Voilà, donc je suis à peine réveillée, donc c'est pour ça que j'ai un peu la tête, voilà quoi, en mode pyjama, donc pyjama qui vient de chez Shein d'ailleurs, où je suis très très bien dedans. C'est un pyjama un peu soie, je dirais. Voilà, donc je ne suis pas seule, les enfants sont là, donc pas les trois, mais Enzo et Noan parce qu'ils sont bien bien enrhumés, très fatigués aussi. Et voilà, donc je les ai gardés à la maison vu que demain c'est mercredi. Voilà, j'ai préféré les garder aujourd'hui à la maison. Vous allez faire un petit coucou? Ouais? Oui. Allez, un petit coucou. Coucou! Voilà, ça tousse un petit peu, hein. Ouais, ils se sont levés ce matin. Il toussait un peu, voilà. Donc il a le nez bien plein. Enzo, d'ailleurs, ta robe de chambre, je t'ai dit. Il faut que tu retrouves ton chausson aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, ils n'iront pas à l'école. Demain, c'est mercredi. Voilà, c'est pas non plus. Bah oui, il faut pas toucher, mon cas. Voilà, donc aujourd'hui, pas grand chose de prévu. Je sais pas si, si je vais recevoir une de mes commandes aujourd'hui ou pas. Je sais pas trop. Donc on verra bien si on reçoit. Soit les guirlandes ou je sais trop quoi. Maman. Voilà. Il y a une autre petite chose aussi, mais vous verrez ça en temps et en heure. Donc du coup là on va déjeuner tranquillement, se réveiller tranquillement parce que là voilà. Moi je suis un peu enrhumée aussi. Hein, donc voilà, donc je vais prendre des forces, je vais déjeuner, je vous reprends donc du coup juste après. A tout à l'heure. Et re tout le monde, du coup je vous reprends. Il est donc 11h18. Donc là je suis sur le PC. Parce que je suis en train du coup de vous partager, donc actuellement vous l'avez déjà vu, donc c'était la vidéo retour de course, mais là du coup je suis en train de partager sur les réseaux, voilà. Donc du coup si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Voilà pour ça, là les garçons sont devant la télé, ils sont en train de regarder Harry Potter, voilà, ils sont posés, ils sont bien au chaud sous la couette. Voilà, comme ça aujourd'hui ils vont se reposer, ils vont rester tranquillou, bien au chaud et puis comme ça ils pourront retourner à l'école jeudi. Voilà, donc sinon pas grand chose d'autre à vous dire, je suis encore en mode pyjama mais j'aime tellement ce pyjama que j'ai même pas envie de l'enlever. Voilà, on a les toutous qui sont juste ici, le chéri qui est juste à côté. Voilà pour ça. Donc je sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas si on va recevoir aujourd'hui des colis ou quoi, parce qu'on attend du coup les décorations de Noël qu'on n'avait pas pu rajouter dans le sapin. Et une autre petite chose qu'on attend, donc je vous spoile pas maintenant, vous verrez ça. Mais voilà, et le lit aussi devrait pas tarder. Ils avaient dit normalement pour jeudi, c'est ça? Ouais. Normalement pour jeudi, mais bon, des fois voilà, ils estiment des livraisons et des fois ça peut arriver plus vite. Donc voilà, on a vraiment hâte d'avoir le lit parce que là, dans le canapé, c'est plus possible. En plus, on a les toutous qui squattent avec nous. Donc voilà, comment vous dire que le canapé, nous deux déjà, c'est juste. Mais alors, plus les chiens, c'est l'enfer. Et puis même niveau, confortable, enfin, c'est pas assez confortable, quoi. Donc voilà, bon, on arrive quand même à dormir, hein, mais c'est vrai que là, on commence un petit peu à en avoir marre. Voilà, donc du coup, et ben moi je partage ça. Et voilà, pour l'instant, rien d'autre à vous dire. Je sais pas trop ce qu'on va manger ce midi, ça va être un peu. Alors là, j'ai pas fait mon menu, donc il faut que je le fasse parce que, comme vous savez, moi je suis quelqu'un de très organisé d'habitude. Et là, du coup, j'ai pas encore fait mon menu de la semaine, donc il faut vraiment que je m'y attelle. Voilà, donc du coup, ben, on vous reprendra soit au moment de manger ou après. Voilà, à tout à l'heure. Heureux, du coup, je vous reprends vite fait pour vous dire que là, je vais du coup faire le menu de la semaine. Donc, je vais vous montrer. Hop, au pire, j'essaierai de vous mettre ça soit à l'écran en photo ou je vous mettrai également le lien dans la description pour pouvoir télécharger et imprimer ce petit... merci Arnaud. Ce petit repas de la semaine en fait, enfin le planning pour le repas de la semaine. Donc je vous montre comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, si c'est bon. Voilà, donc là vous avez tous les jours de la semaine avec le midi et le soir. Voilà, donc du coup voilà, je vais faire le menu pour la semaine. Parce que comme vous savez, j'aime bien être organisée. Et voilà, je trouve que c'est plus pratique. Donc du coup je fais ça et du coup je vous mets ça en accéléré.
je vous reprends, j'ai fini le petit menu de la semaine. Donc voilà, il y a une livraison pour nous je crois, du coup je reviens tout de suite. Heureux, donc du coup on a bel et bien reçu un colis. Est-ce que tu veux montrer chérie? Donc c'est ce dont je ne voulais pas vous parler ce matin. Je voulais pas vous spoil. Donc du coup j'avais commandé donc un cadeau pour Laurent pour son anniversaire, donc qui était le 9 novembre. Donc je l'ai commandé un petit peu plus tard parce que voilà, donc elle est arrivée aujourd'hui. Donc je dis elle parce que c'est ah oui, elle va venir le voir. Une guitare. Une guitare. Attends, je vais la montrer. Youp. Sans tout casser, bien sûr. Voilà, regardez comme elle est belle. Une jolie guitare. Attention, que je casse pas tout. Voilà. Comme ça, il va pouvoir gratter. Ouais. Parce que du coup, de base, Laurent joue à la guitare, mais il en avait une, mais elle est restée chez sa mère. Et du coup, comme je voulais dire, et ben, vu qu'il parle pas, enfin, qu'il parle plus à ses parents. Et que bah pour la faire livrer, bon bah ça coûte cher quand même, il faut un gros carton, etc. Donc du coup bah on s'était dit qu'on allait en racheter une autre et puis bah ça nous était passé en fait comme idée. Et puis là du coup j'ai eu ça comme idée pour son anniversaire. Donc voilà, bah maintenant on l'a reçu, il n'a plus qu'à l'accorder. Déjà changer les cordes parce que c'est... Ouais, il va faire tout son truc parce que moi j'y connais strictement. Attends, rien, que dalle, nada, que qui. Ah, parce qu'en fait là, la guitare... Il faut que tu te fasses ça. Bonjour. Ah non, mais t'es là, parce jours. Que d'ailleurs, ils t'ont même pas vu ce matin. Ouais, du coup, écoutez, la guitare, c'est une guitare qui est faite pour les droitiers. Donc il faut que j'inverse les cordes pour que ça soit de la main gauche. Ouais, parce qu'il est gaucher. Ouais. Voilà. Et il y en a un qui se fait un même plaisir de gratter sur la guitare. T'aimes bien ça, moi? Je t'apprends bien. Tout seul, t'as fait. Faut faire doucement, j'attends. Du coup, ben, là, j'ai passé un petit moment pour... pour la régler, c'est pour la régler, tout ça, pour m'emmener et tout ça. Et après, il manquera plus de l'accorder. Il va falloir que tu te réhabitues parce que ça fait plus de 2 ans, voire 3 ans qu'il n'a pas joué. Donc, ça va faire 3 ans que je n'ai pas joué, que je n'ai pas touché à une guitare. Donc voilà, ouais, faut que je me réhabitue à jouer. Voilà, donc il va faire ça. Et ouais. Puis bah moi j'ai, comme je disais, j'ai fini donc mon petit menu. Voilà, donc je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai écrit parce que ça ne vous servirait à rien en soi. Mais voilà, donc j'ai établi mon menu, sachant que les enfants ne seront pas là ce week-end parce qu'ils vont chez leur père. Donc on a mis vraiment plus des trucs que nous on aime et que les enfants n'aiment pas forcément. Comme ça ne prend pas dans les réserves. Voilà, j'essaie toujours de faire en fonction, comme ça plaît à tout le monde. Et donc pour ce midi, on avait prévu donc là quelque chose de très rapide vu que les enfants sont un peu malades, un peu, enfin voilà. On est un petit peu tous dans le gaz, donc on a prévu juste de manger des nuggets, voilà, tout simplement. On va mettre une bonne petite portion de nuggets du coup à la friteuse. Alors, on aime bien les manger à la friteuse parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus croustillant. Voilà, et puis se prendre un bon petit dessert avec et ce sera suffisant. Voilà, parce que bon, quand on est enrhumé, on n'a pas beaucoup faim, mais il faut quand même manger un peu. Il nous reste aussi un petit peu de soupe, donc je pense qu'on va se faire un petit bol de soupe avec. Et ouais. Ce sera très bien comme ça. Voilà, donc, ceci étant dit, j'ai fini ça. Le chéri va régler un peu sa guitare, et puis je vais aller mettre les nuggets tranquillement à chauffer. Et voilà, je vous reprends donc du coup dans l'après-midi. A tout à l'heure. Et re tout le monde, du coup je vous reprends, je vais bientôt clôturer le vlog parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Entre deux, donc Miley est rentrée de l'école, on a goûté, enfin ils ont goûté du coup. Voilà, si vous entendez un bruit en fond, c'est l'aspirateur. Parce que du coup j'ai mis l'aspirateur robot en route en attendant, comme ça il fait son petit tour. Voilà pour ça. Attends, je vais mettre pause parce que... Attends Noan. Ah, il glisse pas, ça chérie. On va mettre pause parce que j'ai peur que ça fasse du bruit dans le... Voilà. Donc du coup, oui, comme je disais, ils ont goûté. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Du coup, Laurent, il a réussi à remettre les cordes du coup dans l'autre sens. Enfin, pour mettre pour qu'il puisse jouer du coup, vu qu'il est gaucher. Oui, c'est ça. Gaucher. Et donc du coup, il a mis la guitare à côté de son bureau. Voilà pour ça, du coup bah, je vais clôturer maintenant. Là je vais faire quoi? Et bah, je vais aller avec Noël parce qu'il veut qu'on fasse une activité. Hop, c'est ça, c'est un petit cahier comme ça où il a des petites activités dedans, des petites gommettes, des trucs comme ça.
Voilà, donc on va faire ça tous les deux. Ah, c'est à l'envers. Oui, bah oui, là je fais à l'envers du coup. On va faire ça tous les deux. Là, Lily, elle est en train de jouer du coup à la Storio. Ah, tu dis coucou à tout le monde. Oui, coucou. Coucou, ça va ma puce? Oui, je suis plein de. C'était bien l'école? Oui. Ouais. Oui. T'as fait quoi? Tu m'as dit quoi? T'as fait des caps là? Toi, tu vas les moucher ton nez, ma puce, parce que là, il coule. Les caps là. Les caps là? Oui. Et après des livres. Des livres, d'accord. Va te moucher, mon cœur. Bon, bah voilà, du coup, moi, je vais clôturer maintenant. Donc, on espère que ce vlog vous aura plu. Comme vous pouvez voir, je suis encore en pyjama. Je vais aller faire ma douche après. Voilà, ce soir, on a prévu manger cordon bleu purée. C'est ça? Voilà, donc du coup, on va vous laisser là et on se retrouve donc du coup dès demain pour le prochain vlog. Voilà, donc en attendant, prenez soin de vous et on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à demain. À demain. À demain. Ciao. Ciao.